Bonjour et bienvenue dans ce stream sur Shadow Gambit, un stream qui va probablement crasher plein de fois et on va pleurer. Voilà, c'est le programme pour ce midi. Non, pas du tout, ça va être très stable, vous allez voir. En tout cas, merci beaucoup Kalabokaska pour les deux mois d'abo, merci beaucoup. Salut Meilleur des Espoirs, salut Little, salut Erlerwin, merci Thor14 pour le 45e mois d'abo, bonne année à toi aussi, merci beaucoup. Bonjour Ismagil, Exocet, Ingénieur Fraps, Zvder, et merci à Roxrim pour le 18e mois, bonne année à toi aussi, meilleurs vœux, bonne résolution, tout ça. Salut Ruduc, merci Little, comment vas-tu Little, 43 mois déjà, oh là là, j'ai faim, oui, bon appétit à tous ceux et toutes celles qui vont manger, moi c'est fait, là c'est bon, j'ai mangé un tiers de ma pizza maison réchauffée, et c'était très bien. Du crash et des larmes pour 2024, oui, des larmes de joie, j'espère, on ne sait jamais. Que dire? Eh bien, qu'on se retrouve pour le deuxième épisode de Shadow Gambit. On a déjà fait le début, donc c'est le jeu des développeurs de Desperados 3. Et c'est un peu leur Desperados 4, mais chez les pirates. Ça va. C'est honnête comme proposition. Et c'est tout. Et on va s'y mettre, voilà. Voilà, tout simplement. Alors... Ah, ça commence bien parce que... Ah oui, non. Mon casque n'est pas branché, attendez. C'est bon. Merci, Liam, pour le 21e mois d'abo. Merci beaucoup. On va se retrouver donc sur le bateau. Et... Oh non! Alors comme ça arrive parfois, j'ai un problème de son dans mon casque. Je pense que le... J'utilise une rallonge mini jack de 10 mètres pour le relier à la tour. Et je pense qu'elle est un peu en fin de vie. Donc faut que je la triture un peu, attendez. Non. Oui. Alors, on est entre deux missions. On est sur le hub. Et avant de choisir une mission, je crois... Alors, je pourrais parler à des gens pour connaître leur histoire. Autant dire que voilà. Par contre, je peux débloquer une amélioration, je crois. Voilà, j'ai un jeton de vigueur, ce qui me permet de débloquer... Une amélioration, il y en a une par perso, j'ai 4 persos débloqués, donc on a le choix entre 4 alors. Augmente la portée, n'est pas limitée par la ligne de vue. Ça c'est vachement bien, mais son usage limité. La nouvelle capacité poudre d'escampette inversée qui pousse les gardes à bouger vers la position actuelle. Parce que elle a une sarbacane qui injecte les gardes avec un produit qui les fait partir en ligne droite. Et là ils peuvent venir en ligne droite, ce qui est quand même vachement pratique. Gaël améliore son attaque rapprochée, ce qui la rend plus rapide à utiliser, ça c'est vachement bien. Charger, et le pétard dispose d'un rayon sonore plus important, ça c'est vachement bien aussi. N'importe quel personnage a la possibilité de récupérer le carreau d'âme, ça c'est vachement bien, parce qu'elle a une balle de sniper, un carreau d'arbalète, mais il faut le récupérer après, il faut qu'elle le récupère après. Et là, ça peut être n'importe qui le récupère, c'est bien aussi, mais je pense qu'on va aller avec la poudre d'escampette inversée. Parce que sous Lady en plus... Je vais vous en parler, mais perso le plus craqué que j'ai jamais joué dans un jeu d'infiltration. Ah, il y a quand même le nageur de combat de Commando 2, nageur de combat qui peut avoir plusieurs couteaux de lancer, donc il tue silencieusement, instantanément à distance, et il peut en avoir 5. Donc vraiment, le mec il arrive devant un groupe de gardes, il fait et voilà. Donc c'est vrai que c'était un peu cheaté aussi. Alors, on va aller à la baie de fer. Et on va choper une perle noire, je sais pas quoi.
Non, mais je vais vous en parler, Kalemenudo. Je vais t'en parler. Je tentais d'être dans le jeu. The Iron Bay lies in sight. Somewhere here, a black pearl is ripe for the taking. You know, if I were the Inquisition, I'd have thrown the pearl into that pit already. They can't. The resulting energies would burn every soul on the island. It will have been taken to the smelters to be encased in iron. Precious little cover and a prognosticator to boot. What say you we cause a little distraction? What do you have in mind? We set a little bonfire of our own. Those crates would make for excellent kindling. Now we just need some nice, normal flame. There. We can light a torch with one of those braziers. Burn the crates and draw attention away from our prize. Very well. Now, there's just the matter of getting down into the pit. Oui. C'est bon, laissez-moi jouer là. If you enter the Great Bridge... Allez, voilà, c'est bon, on a compris. Alors là, on est sur la carte qui est un peu la forge de l'Inquisition, donc les grands méchants du jeu. En fait, ils amènent tous les objets hérétiques, les objets maudits, ici, pour les jeter dans le grand feu. Et puis autour, ils ont des trucs... c'est un peu un espèce de QG, hein. Ils ont une prison, un hôpital de campagne, une caserne, voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est la prison, ça? Oh. Donc voilà. Et on va devoir faire tous les trucs autour du brasier, a priori. Donc on va débarquer. Y a un accès là et là ou pas? Non, là, y a pas d'accès. Faudra faire le grand tour. Un peu aveuglant ce truc. Et là. Pas d'accès non plus, mais c'est... Faut passer par là. Oh là 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 là. Ah, ça va, c'est à peine relou. Mais ok. Ok, bah on va... Ou alors on nage. Non, bon, on va passer par là. On va démarrer ici. Alors, qui on prend, évidemment. On prend ces trois là. Alors, c'est un peu fort chez moi. Je vais baisser un petit peu. Je sais pas pour vous comment c'est. Je peux vous monter par contre, vous me direz. Le stream de dimanche, il y a quelques jours, j'avais fait un stream et ça, j'avais crashé plein de fois, malheureusement. Or, parce que ma carte graphique était trop élevée, c'est un peu fort aussi pour vous. Bah, je vais rebaisser parce que pour moi ça reste trop fort. Voilà, 65. Ouais, ça devrait peut-être un peu mieux. Ouais. Et donc mon PC s'était shutdown plein de fois parce que ma carte graphique dépassait les 100 degrés. Donc là je vous ai mis en haut, c'est par où? C'est par là. En haut à droite de l'écran vous avez HW Monitor qui nous dit la température de ma carte graphique. Donc voilà, si on voit que ça devient trop haut à un moment... on pourra arrêter avant, mais j'ai quand même réduit un peu la beauté du jeu pour que... Enfin voilà, normalement ça va pas tirer autant que le premier stream, donc je pense que ça va résoudre le problème. En tout cas, pour le vis-à-vis du stream, parce que vis-à-vis de la carte graphique, bah, j'ai parlé à Furolith qui m'a... Et bon, on est tombé d'accord sur le fait que... Voilà, a priori c'était anormal qu'elle chauffe autant cette CG et que pour la réparer, de toute façon il n'y avait pas 1000 trucs à faire à part remettre de la pâte thermique, donc c'est probablement ce qu'on va faire. Voilà. Enfin, ce que je vais faire. Oh, le beau bateau. Oula. Ah ouais, il est bien fait, hein, ceci dit.
Après, les navires à Frontillac, comme ça, c'est jamais très très cool. Puis, il y a que 6 canons. C'est un peu chelou pour un navire à deux, pour un deux ponts comme ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai trop regardé Master and Commander, excusez-moi. Alors, oui, on va tout de suite faire une capture, effectivement. C'est un civil, ça ? C'est un civil. Alors, il faut qu'on fasse check, 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 check. Et après, angle droit, ici, check, check, check. Hop, on monte et on passe par là. Ok. Et B. Et B. Ok, je vois. Alors, là, on va pouvoir passer très facilement. Il n'y a même pas besoin de buter les gens. Hop. Je pense que là, on peut passer. Donc, lui, il va falloir le buter. Bah, c'est le moment d'utiliser ma nouvelle capacité. Alors, du coup, je peux l'attirer. Alors, c'est une nouvelle capacité. Hop. Viens par là. Ah, c'est quand même vachement bien. Ah, j'allais dire personne le voit lui, mais si, malheureusement. Ah, il veut pas venir ? Est-ce qu'il se rend compte que son pote est plus là ? C'est lui qui est à fixe. Oh bah écoutez. Bah voilà, bah c'est rondement mené, cette histoire. Il y a juste... Ah ouais, il y a lui qu'il faudrait distraire un peu. C'est pas très grave. On peut... On va faire ça, ça va l'attirer, et puis à un moment... Il va reculer du coup pour retourner à son poste. Salut Oshiria. Et voilà. On peut même faire ça. Voilà. On a éteint la torche. Comme ça on sera tranquille. Donc c'est la nuit. Donc la nuit en gros on peut être accroupi un peu partout. Sauf à proximité des zones de lumière. Qui transforme les cônes de vision, vous voyez, en vert. Donc en vert, on est spoté quoi qu'il arrive. Alors qu'en hachuré, dans l'ombre, là, on peut être accroupi dans l'ombre ou en hauteur quand un perso est plus bas. Ah merde, mais de toute façon, il faut que j'aille par là. Moi, je croyais que j'allais tout droit. Ah merde. Mais attendez, j'ai fait n'importe quoi, là. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. J'aimerais bien me débarrasser de lui, en fait. On va envoyer machine. Alors, machine, donc celui-là il dit, perso incroyable, enfin incroyablement pété. Pas tant que ça, parce que, elle a, en gros, pour tuer, elle a qu'une attaque au corps à corps qui est très longue, l'animation. Vous savez que les animations dans ce genre de jeu, c'est très important. Ça change énormément de choses. Oh, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ah ouais. J'ai pas besoin de le faire bouger beaucoup, lui, en fait. Mais alors déjà, cette capacité de faire bouger les ennemis... Ah, merde, j'étais pas assez collé à l'escalier. Cette capacité de faire bouger les ennemis, c'est juste complètement pété. Enfin, complètement pété, non, c'est très utile. Par contre, ce qui est complètement pété, c'est... Ça. Voilà, donc elle peut faire pousser un buisson n'importe où. Elle ne peut en avoir qu'un. Et ça cache les corps automatiquement. Et elle peut se cacher dedans. Enfin, du coup, c'est vraiment extrêmement utile. C'est pété, on peut le dire. Mais c'est pas grave, parce que les jeux... C'est pas forcément un défaut. Dans les jeux comme ça, c'est pas un souci d'avoir des persos pétés. Il y a des persos pétés dans tous les jeux d'infiltration. Mais... ce qui compte, c'est que... Enfin voilà, les développeurs le prennent en compte au moment de faire le level design et le design des ennemis, donc il n'y a pas de souci.
Et du coup, c'est quand même très, très efficace. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait rien. Ok. Oui, on avance vite, hein, c'est bien. Non, elle est assez lente, son attaque, malheureusement, M-Fire. Hein. Elle est rapide, et elle est rapide à tuer, mais alors, pour l'animation où elle est en train d'égorger l'ennemi, etc., qui peut plus se défendre, certes, mais ça, c'est très long, et il peut facilement y avoir un témoin. Évidemment, lui, il va pas quitter les alentours. Wendelrin, la CG ne surchauffe encore, mais vous pouvez surveiller la température en haut à droite de l'écran et le jeu est moins gourmand qu'avant. Parce que j'ai réduit les options. Donc ça devrait aller. Ah, je peux profiter de... D'accord. Ok, bon, on va refaire une boucle. On va tirer machin là plus près déjà. Voilà. Ah, et dès que machin lui se barre, il va distraire. Voilà. Attention, on n'a pas beaucoup de temps là, je pense. Hop, on t'attire. L'autre est coincé et. Voilà. Et on cache le corps avec un nouveau buisson. Et bah là, on peut se barrer en fait. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Faut attendre que machin passe. Ah. Là on peut se barrer. On peut se barrer mais... Et du coup si c'est quelqu'un d'autre qui tue, on peut avoir le buisson au moment où on est en train de tuer l'ennemi pour que son corps soit caché instantanément, enfin... C'est quand même pas mal. Par contre, je me suis gouré de... Mais... Ah, faut que je repasse par le pont quand même. Donc faut que je repasse par là. Purée, c'est... J'ai fait ça hier déjà. Et voilà, tonton, vous avez la commande, bien sûr. RIP Mimimi, bah oui, hein, franchement, s'il y avait un studio qui méritait de continuer à faire ses jeux tranquillou, sans être inquiété, c'était bien Mimimi. Mais c'est pas seulement qu'ils ont pas eu le succès escompté avec Shadow Gambit, hein, c'est, ils ont bien précisé que... Hop, et les deux corps sont cachés. C'est, ils ont bien précisé aussi que faire des jeux, notamment des jeux... on va dire double A, c'était juste un effort vraiment trop important, c'était une vie qui n'était pas enviable, et donc qui voulait arrêter en fait. Arr, merci Pierre de Béa pour l'abo, merci beaucoup. Hop. Attendez, parce que moi j'ai un début de rhume, et donc un début de Covid. Je plaisante pour le Covid, mais ceci dit, j'espère pas. Et salut Christophe, je sais plus si j'ai dit. Alors. On va aller se téléporter là. Voilà. Et elle peut attirer machin ou pas? Alors ça, c'est, pour info, c'est aussi assez facile de d'attirer un ennemi comme ça. Voilà, donc il bouge. Et en fait, après, si on est assez rapide, on peut le réattirer. Donc on peut kiter un ennemi à travers toute la map comme ça, juste avec un assemblage de pétards.
Ah, le hotspot est à 100 degrés, effectivement. Ça va aller. J'y crois. Hier, le hotspot pouvait atteindre les 115 degrés et ça crachait pas. Je crois qu'on peut passer là si on veut faire assez vite. Ouais. Oh, juste. Ah. J'ai pas tué assez de garde. Alors. Mais Ah, elle peut plus faire son truc s'il y a pas d'ennemis. Ok. C'est pas grave. On va se débarrasser de lui. Voilà, et puis un deuxième pétard. Hop. Et du coup, il va monter. Et puis, arriver là-haut. La dadague dans le coucou. Non, dans l'épaule. C'est très bavard par contre. Oui, ça c'est vraiment chiant. Les barks sont insupportables. Salut Antitan. J'en suis dit que c'était le plus jeune, le nouveau Premier ministre. Bah merci, merci. Ah, ça, attends, ça veut dire que là c'est annoncé, c'est Gabriel Attal le nouveau Premier ministre ? A priori, oui. Eh ben, ça va être beau. C'est vrai qu'il y a plein de cum là. Vous savez quoi, on va rien faire. Parce que moi je veux juste me barrer donc. Ah non, parce qu'il me faut une clé. J'ai pas de clé. Bon. Allez, on se tourne. Non, c'est pas le jeu qui est en cause, c'est mon GPU. Hein. Discolo. Quel vent de fraîcheur. Alors attendez, parce qu'on m'envoie plein de messages. Ça va, c'est pas urgent. Je vais essayer de buter les deux là. En plus, ils sont bien synchro. C'est super. Après, lui, on peut lui dire barre-toi, je crois. Trop chiant. On met le buisson en préparation. On peut même le mettre genre là. Et puis quand le monsieur passe. Hop. Il n'y a plus qu'à l'avoir. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est vrai que les autres étaient encore dans un buisson. Merci Lapin Trade pour le 56e mois, merci beaucoup. Il suffit de faire ça. Ah, attendez, pardon, j'ai loupé le timing. J'espère que c'est quand même relativement compréhensible ce que je fais, parce que c'est vrai que c'est...
Si on n'est pas en train de manipuler, peut-être qu'on piche pas... Enfin, peut-être que c'est un peu abscon. Voilà. Et puis faut se faire lui aussi. On va juste tenter. Ça passe. Ok. Bon. Vraiment fait n'importe quoi, mais j'en suis ravi. Oui, plusieurs buissons à la fois, ce serait vraiment pété. Oui. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Un buisson à la fois, c'est déjà très très bien. Il va revenir, non? Oui, c'est ça, il revient à la charrette. Alors, très bien, on est presque à la porte. Il y a machi et machin. Alors, machin, c'est très très simple. On va l'attirer comme ça. Easy. Et l'autre, par contre... Un petit buisson en préparation. Merci New Gourmi pour l'abo et bonne année à toi aussi. Meilleurs vœux. Voilà, et donc lui dès qu'il se barre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Je pense qu'on va faire ça aussi. Ah non. Si. Voilà. Ok, et donc on peut accéder à la porte. Putain, ça c'était le... Juste pour accéder à l'endroit de la mission. Maintenant, faut que j'aille éteindre deux torches, brûler des caisses et récupérer une perle. Ok, bah si vous voulez. Et je vais avoir besoin de deux clés pour passer ici. Oh, ou alors je ferai le tour par là. On va tout simplement faire le tour par là. Donc, passer par là. Alors... Yudex ici. Most of them probably relish its maddening touch. Alors, bon bah là, pas tellement à se poser de questions, j'ai l'impression. Ah si. Je ne me pose pas cette question, c'est ça mon problème. C'est pas grave. Hein. Hop. Hop. Voilà, et puis pour les deux autres là, ah non ils se font voir là, ouais ok. Pas très grave, on peut l'attirer, je pense. Bon matin, Eska, bon matin. Que font les buissons de tous ces cadavres? Bah, ils les mangent, hein, a priori. Et oui, ils sont vus par qui? Par personne? Ah, bah, dans ce cas. On va tester.
tout simplement. Ah, là il y a un petit accident à faire. C'est très bien. On va aller faire ça. I stand against the tempest. Let's not ask for permission. Item 501. Boum. Et comme c'est des accidents, c'est comme dans Hitman, quand c'est des accidents, ça déclenche pas l'alarme. Par contre, lui, du coup, on en profite. Hein. Et on cache le cadavre. C'est ouf comme je suis devenu hyper paresseux du transport de cadavre maintenant. Je fais juste. Je fais juste pousser des buissons partout. Alors. Ensuite. Ah, faut que j'éteigne ça? Mais je peux pas parce qu'il y a un commissarius. La GPU cam? Ah oui, non, mais c'est bien. Hein. Tu vas vider la carte? Non, je fais juste là où il y a des. Les objectifs. Salut Intello, comment ça va? Merci. Ah bah merci pour l'abo, merci beaucoup. Ça va l'entraînement en ce moment? T'es sur Super Mario 64 je crois, non? C'est le canon, c'est celle que j'ai le moins utilisée je pense. Ouais, je sens qu'il n'y a pas beaucoup de persos que j'ai vraiment envie de débloquer et d'utiliser beaucoup, bah, parce qu'il manque des options pour tuer en fait malheureusement. Même si c'est le canon, elle a un petit côté sniper qui peut être intéressant parce qu'elle peut tirer un cadavre avec son canon et assommer quelqu'un avec, bon en gros. Oh, c'est dommage, ils sont pile où on voit pas. Ah mais attendez, est-ce que je peux vraiment... On va voir si on a le temps. Oui. Ok, par contre là le prognosticar ça va être plus compliqué. Donc ça c'est un prognosticar. Et son concept c'est qu'il faut être deux pour le tuer. C'est comme les longues côtes si vous voulez dans Desperados 3. Parce que le premier qui va l'attaquer ou le distraire, il va se défendre. Et donc il faudra vite qu'il y ait quelqu'un d'autre pour le tuer derrière. Il faut être deux. Voilà. Très addictif mais très difficile Super Mario 64. Ah bah... Ouais je comprends. Bah de toute façon le speedrun très difficile a priori c'est voulu. On va se rapprocher. En fait faut pas avoir peur du coup dans celui-là quand on a sous Lady, le perso vert là. Faut pas avoir peur de... Des grandes étendues sans couvert puisque elle crée le couvert. Elle en a rien à foutre. Je peux pas éteindre cette torche, d'accord. Ah oui, par contre, je devais éteindre celle-là. Ah, pardon. Si, oui. Ah. Ah non, 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 non. Attendez, pardon, j'ai pas compris. Je me débarrasse des ennemis d'abord. Ah oui, oh oui, d'accord, il va falloir que je fasse tout ça aussi. Tu as testé le très probablement très moyen de Stargate sorti récemment? Ah non, pas du tout. Je tue elle. Pas du tout. Oui, les gens sont peu inquiets globalement des buissons spontanés, on peut le dire. Est-ce que... Ah non. J'ai failli commettre l'irréparable, l'impensable. Et lui il est vu par qui? Par personne en fait. Ouais donc en fait dès que le prognosticar bouge, ça va être la curée, je pense. Attention. Ah mais... Aussi que le commissarius bouge. Ah ça va être peut-être un peu short niveau de timing. Oula. Ouais. Compliqué. Ou alors... Je sais ce qu'on va faire. Hop. Ouais, c'est ça, elle peut le faire aussitôt. Et du coup,
Ouais, ça marche. Ok, et je pense qu'on va se faire le prognosticar et le... et son pote. Ah, il s'est fait assommer, c'est ça, par le cadavre? J'ai pas vu. Salut, canard vexé. Oui, le jeu est vraiment super flow, ça c'est clair. Alors... attendez. Alors, ça, ce sera la première alerte du prognosticar, ce sera pour tuer le garde, et ça, ce sera pour tuer le prognosticar, une fois qu'il sera en train de se défendre contre la première attaque. C'est parti. Bon, c'était pas forcément très compréhensible, mais en tout cas, c'est l'idée. Voilà. Alors, faudra que je brûle les caisses là. Ouais. On va clear ce côté de la map puisqu'il y a un objectif aussi ici. En plus de nuit, on peut vraiment aller partout hein, tant qu'il n'y a pas de lumière. C'est tranquille. Là, vous voyez. D'ailleurs, en plus ici, c'est un angle mort complet. Personne ne regarde. Ah oui, il y avait quand même lui, hein. Ce monsieur. Ah, mais lui, il est pas. Ah, si. Juste quelqu'un pour distraire l'appareillé, ça c'est possible. Alors, les appareillés, donc ces persos-là, ils se relient à un autre perso qui est ici. Et il faut tuer les deux en même temps, sinon ils se ressuscitent et ils donnent l'alerte. Voilà. D'ailleurs, il y a des speedruns des jeux Mimimi, oui. Oui, oui, il y en a qui sont assez impressionnants. Pardon, assez impressionnants d'ailleurs. Il y a pas mal de choses à faire, ouais. Ouais, ouais. Par contre, ouais, c'est pas vraiment le genre de jeu que speedrun un télo, on peut le dire, on peut le dire. Ouais, complètement, Nico. C'est très pratique leur système de planification. D'ailleurs, là, par exemple... Non. D'ailleurs, là, je vais pas l'utiliser. Mais dans l'idée, il y avait un truc. Voilà. Par exemple, là, ça peut être malin de m'en servir. Après, les raccourcis clavier sont quand même bien. Hein. Mais voilà, on va faire un truc comme ça, donc... Je sauvegarde. Je distrais l'appareillé. Elle va se faire distraire, et... Voilà. Je peux pas mettre de buisson, mais c'est pas très grave, puisque c'est sur un toit. Ok, c'était pas mal. D'ailleurs... Ah oui, d'accord. Bon, on va profiter d'être là. Pour aller s'occuper... de la deuxième appareillée. Ah mais il y a le pronosticar. Alors, pronosticar qu'on ne peut pas distraire, parce que sinon, il... il se défend. Mais je peux éventuellement envoyer l'appareillée par là, et la faire tuer. On va voir. On va voir. Alors, on va faire un test. Mais non! Je veux pas l'attirer. Ah oui. J'ai fait la mauvaise compétence. Pour une fois que c'est l'autre qui m'intéresse, on va la repousser. Ah. Là, ça marche. Parce que, du coup, ça dépend. Vu que c'est repoussé en ligne droite, ça dépend de l'angle. Voilà, là, vous voyez, on a un bon angle. On va la faire aller bien loin. Ok. Donc, il est plus hors de portée, donc Gaël va pouvoir s'en occuper. Et par contre, là... Alors... Non. Non, parce qu'il faut pas... Il faut pas...
Ouais, je vais faire ça. Ah, c'est direct. Attendez, c'est direct. Et il y a le commissariat aussi. Ah oui, voilà, lui. Il y aurait un angle mort éventuellement ici. Ah ouais, mais non, c'est... Ceci dit, ça peut se tenter. Ah non, j'aurais pas l'angle. Ah non, je crois que là, du coup, ouais, y a pas l'angle. Mais, on peut faire ça. Et oui, parce qu'on peut kiter les ennemis. Ok. Oh merde. Non. Enfin, c'est ça, mais j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Synchro était un peu complexe à faire, mais... C'était l'idée. D'ailleurs, elle, du coup, pour cacher ce cadavre, elle peut le charger dans son canon. Ah non, je peux plus. Si. Ouf. Et puis... Voilà, le jeter dans le buisson. Ok. Voilà, eh, par contre elle est un peu coincée maintenant, la fille. Has she not learned anything in her lecture? It is called thus because in sealing a pearl, we purify the world of the curse's influence. A sickness rotting this world. 6 grams of death root, 2 drops of moonshine. We weaken their resistance. Ceci dit, let me just take notes on that. Treatment. Ah. J'avais oublié qu'à très courte distance, on se fait spotter. Et non, le coup de canon, écoutez, il est assez silencieux, tout va bien. Ceci dit, on peut aussi faire ça. Oula, pas du tout. Je sais pas ce que j'ai... Ah, c'est... Il y avait de l'idée, mais... Il faut plutôt que je le fiche dans l'autre sens. Ouais. Ok. Bon. Alors là, j'ai un petit souci, parce que lui, il faut être deux pour le tuer. Et eux, ils sont visibles. Et surtout, lui, il voit machin qui ne va pas bouger de son poste. Alors, là, il faut que je sois... faut qu'on soit 5. Est-ce que c'est pas le moment d'utiliser les pistolets? Parce que les pistolets font pas un bruit démentiel non plus. Je peux attirer lui déjà. Ah oui. Bon bah ça va. Juste pas qu'il vienne jusqu'au buisson. Il rentre dans le buisson. Ah, sérieux. Ah,
Voilà, puis il faut juste qu'on la tire là. Ah, quoi? Mais attends, d'où il se retourne, mais... J'ai pas compris. Ah putain, faut vraiment que je refasse une sauvegarde rapide. So, what happens now? Oh, I'll have to note that down. Let's see what's up. Must happen. Sinon, non, je suis conscient, je fais juste un mission là. Ah, il y a lui qui suit. Ok. Donc il faut vraiment que je mette les pétards au fond. Voilà. Là, on est bien. C'est sorti cet été, ouais. C'est très très bien. Oh putain. Alors, ça c'est bien si on arrive à choper. Genre, si. Je peux attirer aucun des deux, mais. Ah oui, mais. Ah non, ils reviennent déjà. Je peux rien faire. Attendez. Si je peux charger. Ah oui. Parce que lui, il est trop loin là pour qu'il y accède, mais si je tire quelqu'un dessus. Donc là, je charge un pote dans mon canon. Et. Yes! Ah putain, non, ça l'attire. Presque. Presque. Ouais, on finit lui. Et c'est GG. Il suffit juste de finir. Ok. Bon, je sais pas si vous avez tout suivi. Moi-même, j'ai pas tout suivi, mais. Mais écoutez, ça a fonctionné. Et on va consulter le document de l'objectif. Ah non, prends la perle noire, pardon. Un plan parfait, oui. Bah, non mais le coup de canon, c'est quand même assez cool quand on panique. On charge un pote dans le canon, on l'envoie loin. Bon. Bah voilà. Ça c'est fait. On va faire le commis... Ah non. Oh, il y a des appareils là. Ah, on peut rentrer là. Ah non, je vais brûler les caisses. Optionnel, oui, mais... Ah, mais il nous dit pas lesquelles, par contre. Caisse là. À moins que brûler les caisses, c'était pour faire une diversion, en fait. Ah, j'avoue, j'aurais peut-être dû suivre. Ah oui, créer une diversion. Ah! Ah, moi j'allais faire la diversion après avoir tué tout le monde en fait. Bon bah... Finalement, c'est pas la peine. du coup ce truc là, il aurait dû être vidé un peu de... Des méchants. Bah écoutez... c'est pas grave, on l'a fait quand même. Alors pour se barrer... Bah on va revenir sur nos pas. Arma style. Tu peux tirer un cadavre sur un adversaire pour l'étourdir, absolument, ouais. Ah super Butler, bah, mon article sur le jeu va sortir bientôt, mais si t'es déjà dessus. Très bien Goy Medieval, hein, en Rimworld Medieval. Alors je suis arrivé par le... Par où? Par là. Ah bah oui, il y avait un escalier là. J'ai plein de clés, donc... Bon là d'ailleurs, pareil, pour tuer les deux... Ah oui, non. En fait, j'ai rien dit.
Mais... Pourquoi elle l'a pas tué? Elle est juste allée sur lui sans le tuer. Oh, this is fascinating. Do not get caught. Too many weeds here. Where the wind blows, cannonballs fly. Treatment's ready. Now, where do I get those seeds? Et on revient. Va juste falloir, ouais, va juste falloir buter les gens là pour créer une porte de sortie. One day I'll find out how you do it. I do like this so far. Who? Hiding spot coming up. It's all in the way. Bon, pour lui, on va s'en débarrasser très facilement. Avec le fameux coup du « je t'attire dans le buisson et je t'égorge ». Et... En fait, on n'est même pas obligé de buter lui, hein. Ouais, bon, vas-y, j'ai la flemme. On va juste buter le mage qui empêche en fait la porte de sortie d'apparaître, en gros. Et voilà. Allez, bye. Bon. Salut Noxbrox, merci pour les 24 mois. Merci beaucoup. Attirer au lieu de repousser, c'est fort. Ouais. Bah, surtout, en fait, je l'ai pris aussi parce que c'est sur le perso que j'utilise le plus avec ces fameux buissons là. Donc, très bien. Ne pas mettre le feu aux caisses. Du coup, j'ai eu un achievement. Bah, écoutez, je ne savais pas qu'il fallait mettre le feu, donc comme ça. Voilà le petit récap. Bon, ouais, la CG tient le coup, hein. Cette fois. Comme quoi, c'était... fallait aussi réduire un peu le jeu, quoi. Il y a un achievement pour ne pas avoir fait l'objectif secondaire, oui, parce qu'il était optionnel. C'était pour faire une diversion. Pour se faciliter la vie. Ah, c'est quand même Afia qui a tué le plus d'ennemis? C'est fou, ça. Ah, j'ai utilisé 13 fois le... J'aurais pas cru. Ah, je croyais vraiment pas, tiens. Et mine de rien, Gaël, on l'a utilisé quand même pas mal. 10 pétards, 7 kills, 3 coups de canon. Ça va, hein. Le temps de jeu... Ouais, en fait, quand on regarde ça, on voit que le temps de jeu est quand même assez équilibré, hein. 34%, 36% et 29% sur chaque perso. Franchement, ça, c'est... C'est très fort d'avoir réussi à faire un temps de jeu qui est équilibré entre les différents persos, parce que souvent dans Desperados 3, par exemple, malgré ses immenses qualités, c'était plus 60% et 20%, quoi. Mais par contre, on jouait peut-être avec plus de persos, puisqu'il t'imposait les persos utilisés dans chaque mission Desperados 3, alors qu'ici, je les choisis, ce qui peut me conduire à me reposer un peu sur les mêmes tactiques à chaque fois, quoi. Alors là, on va débloquer un nouveau perso. J'ai le choix entre 4. Alors, j'avoue que je sais pas trop. Ils font pas très envie, en fait, les 4 persos qui restent, malheureusement. Chasseur de trésors. Canne de trésors, une canne multifonction qui peut tirer les alliés de situation embarrassante sans te cacher les corps de l'Inquisition et même activer certains leviers et mécanismes à distance. Distraction sur les membres les moins expérimentés de l'Inquisition. Je ne sais pas. J'ai bien aimé lui, ouais. Le quartier maître. Contrôle des esprits. Ça peut être pas mal, ça, hein, de contrôler l'esprit des adversaires. Il lance des pièces pour les distraire, bon. C'est tout? C'est ces deux capacités?
C'est se déguiser pour se déplacer dans le cône de vision des gardes sans se faire repérer. Ah, c'est fort, ça. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mind control plus déguisement. Tu peux les faire défiler avec les flèches du haut, pas besoin d'aller voir les corps. Ah oui. Merci pour le prototype, Nico. Le maître coq, alors ça, il pose un petit charme de papier, et après il peut se téléporter jusqu'au charme de papier. Mais si un ennemi a été marqué par le charme de papier, il l'attaquera automatiquement. Non, c'est chiant là. Ah merde, c'est vrai que je suis pas obligé. Et enfin, le charpentier John Mercury. Alors lui, il jette l'ancre, il peut se cacher du coup dans le sol. Ouais, en fait, lui, il peut se téléporter. Et lui, c'est pas clair ce qu'il fait. Hein. C'est pas clair. C'est très fort sur les ennemis en patrouille. Ouais, mais non, je pense que je vais faire le mind control. Ça me paraît quand même pas mal, cette histoire. Hop, on va le ressusciter. Kindly blow out the candles, if you will. Candles? Upon my revival, I was immediately confronted with a somewhat dim individual who thought it possible to quench the light of the sun. Those must be your famous memoirs you're composing, Pincus Van Bresswell, quartermaster of this cursed voyage. Ah, so you do know a little about what is what. Then who are you, if not a severely neglectful steward? Aethea Monikato, navigator and advisor on this eventful treasure hunt. A navigator? Huh? I wasn't even aware we needed one. To this day, I'm still unsure what benefits you bring to the table. Ah non, le pont d'entraînement, non. Non, c'est bon. L'entraînement avec les persos, là. J'en ai soupé. Non, pas besoin de s'entraîner. Si le jeu est assez bien fait, y a pas besoin d'un niveau tuto pour apprendre la compétence. Hein. Si c'est assez bien expliqué. Good work, quartermaster. Your presence is required in the riddle hold. To the stairs, if you please. Ah oui, donc il y a encore un truc de scénar. C'est vrai qu'entre deux missions, ils te prennent du temps. Hein. C'est un Kojima, le truc. Voilà, bah ça je vous explique pas, c'est dans le scénar principal. Pincus. I, Pincus Bravus Pernilian Perselfans vom und zu Pressband. Quartermaster par excellence and arbiter of good taste. It seems my brilliance has left the magic here speechless. My... Ok. C'est bon, je peux jouer. A new chapter in my memoirs. What's in it for me? I will grace you with my attention. Allez, hop, on skip. C'est bon. Ah. Alors, il y a l'île de la pénitence. Ah. C'est le truc du DLC, ça, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. The twins of Nurek Timuresh, this charming little island. Is haunted by the powerful souls of long dead siblings. Oui, non, mais je vais pas me faire spoiler la mission quand même.
Il y a une perle noire ici. Une mission de jour moyenne. Allez, c'est parti. Here they are, the twins of Nurektamaresh. A rather elaborate name for such a modest island. The twins would likely put a nasty spell on you for those words alone. How do we go about this then? We must land on the island. Most likely it won't take them long to notice us. When they speak to you, play along and do what they say. At the right moment, we must shift the game towards the Black Pearl. Now, choose our landing. Navigator. Ok. Alors, qui j'emmène ? I'm with you, matey. On va faire un test avec... Tiens, on va faire un test avec la B-team seulement. Oh là là. Je vais galérer. Je prends que les persos que je prends pas d'habitude. Ah, ça va être horrible. Bah allez hein. Merci Captain Planet pour le 45e mois, merci beaucoup. Comme c'est... Pardon, comme c'est une petite mission. C'est vraiment la B-team. Et les empreintes dans le sable. You want us to drag all the zealots on this island into those two bushes? No, it will get boring after a while. How many do we want? Let's say five? I prefer two, to be honest. Well, some amount between two and five then. De quoi? Dissimuler des corps dans des buissons spéciaux? Ici et ici. D'accord. Bah, si je peux les balancer au canon dans les buissons, ça sera rapide. Bon bah du coup, je cache aucun corps. Hein. You have plans for that one, then? D'accord. Personne ne peut monter au lierre. Putain, dans cette équipe. Ils savent pas monter au lierre, putain la vache. Attention, prudence. Oh là 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 là. Marley at her finest. Bon, après, il y a moyen de s'en débarrasser assez vite, je pense, en faisant ça. Voilà. En fait, les ennemis, ils spotent les... Non, mais lui, je peux le cacher quand même. Ils spotent les empreintes de pied dans le sable. Salut, Coralie-san. Alors, ça laisse quoi? Peut-être essayer de se débarrasser de ça. Alors là... Alors elle c'est un sniper et lui s'il meurt il fait une attaque de zone on va dire. Donc il doit y avoir moyen. Ah j'ai loupé le timing. Ah merde. Attendez.
Voilà. Donc, dès qu'ils font demi-tour. On va sniper machin et il va buter tout le monde autour. Et on va juste se débarrasser du dernier témoin en même temps. Attention. Voilà. Let's get a better view. Juste, on va pas les laisser en vie. Voilà. Parce qu'elle allait récupérer son carreau, parce que sinon elle pouvait plus faire le tir. Donc ça, ce sera la porte de sortie. Alors, est-ce que j'ai moyen de faire boum? Presque. Ah mais non, ça va faire du bruit. Ah non. Alors, il me faudrait juste un tout petit peu plus de place. Alors, par contre, lui, il surveille bien et je peux pas... Ah, lui, il va être vraiment problématique. Après, je peux l'aveugler à distance éventuellement. Il y en a encore un deuxième derrière. Comme ça. Je sais pas combien de temps ça dure ni rien, donc... Je pourrais aussi aveugler lui. Enfin, le... Téléporter un cadavre sur lui. Ah mais non, attendez, je peux faire du main control. Ah non, faut que je sois... Pas compris. Je peux faire du main control, là? Ah non, pas du tout. Attendez. Webcam est... Voilà. C'est totalement mon genre de jeu, je le trouve très beau, mais son univers me freine complètement. J'étais comme toi, Nidafix, mais... Parce que la magie, les morts vivants, ça me... J'en ai vraiment rien à foutre. Mais en vrai, c'est... C'est pas gênant, hein. C'est pas gênant du tout. Alors, on s'en débarrasse de deux, là. Bon, écoutez, on va tenter. Aveuglement, il dure combien de temps l'aveuglement là? Attendez, on va juste... Ah oui, ça dure une seconde. Bah génial. Sinon, je peux téléporter mes mecs, enfin, au canon, envoyer mes mecs au canon par là-haut. Attendez, là j'ai qui là? Non. Voilà. Voilà. Hop. Ils sont KO quand on les lance donc. Faut les lancer dans un buisson. Voilà. Bon, du coup, lui, on peut le buter. Juste tenter le mind control, juste pour tester ce que c'est. Ah, je peux pas le faire sur lui parce que c'est pas un esprit faible. Oh, c'est chiant ça. Mais tu seras le prochain, toi, de toute façon.
Voilà, t'es dans un angle mort ici. Peut-être au retour, hein, on peut tout simplement. Ah, mais non, parce que lui déjà, ça va être chiant. Chaque chose en son temps. Non. C'est pas grave. Je voulais. Faut absolument que je garde les cadavres. C'est pas grave. Je pense qu'on va peut-être le sniper. Ah, attendez, du coup, on va faire le main control. Bon, on peut jamais faire le main control en fait dans ce jeu, j'ai compris. Let's get a better view. Ah, come to me. Judgment is at hand. Ok. Alors, eux deux maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Rien? Ah, ok. Bouge pas. Bah, dans ce cas. On peut faire un simple truc de snipe. The court is in session. One less soul. I stand against the tempest. If you must. How? My strength return. Where to? Dicho y hecho. My qualities are needed. Quelle surprise! I knew this would come. Ok. Bon, ça se passe pas trop mal avec la B-team là. C'est pas aussi fluide que si j'avais eu Sulaini, mais ça passe. Ah, c'est un truc scénaristique, c'est les jumeaux qui ont fait ça. C'est bien, mais moi j'allais buter facilement les deux là, et maintenant vous me... C'est pas grave, ils vont voir que c'est un accident, ils vont revenir. What right is appropriate? Negligence or simply bad luck? I've seen it. It must have happened for a cruel reason. Twist of fate, perhaps. Voilà. On revient. Good capture, Mark. To each what they deserve. There you go, Teresa. Elle est terrifiante, son animal. This is very peculiar, even for our standards. You move on for now. We will bring up the pearls soon enough. That makes two. What do you say? What do you think? It does not suffice. A bit more. Of course, of course. Your passagers, that's enough. Ah. I hope they like their lush little leafy entanglement. Good words. Thanks. Now, I believe we should burn something. Fire. It's the best. It's hot, not cold. Ah, j'ai même pas besoin de faire la même chose de l'autre côté, c'est bien ça. Steamy while creamy? They need a torch. We'll gladly fetch a torch, but we've actually come for... A pearl? Yes, black and shiny. We have it. You want it, we know. Now grab a torch. Well maneuvered, navigator. I spied a torch by one of the peaks. Une torche, oui. Ah. C'est à l'opposé. Ah. Alors, je comprends pas comment ces deux grottes sont reliées. Peut-être de façon sous-marine. Mais ok. Donc il faut escalader, alors je pourrais faire tout le tour, mais honnêtement, c'est quand même plus fun de passer par là. Est-ce que...
Ouais, c'est ça. Je me disais, si ça se trouve, il n'y a personne qui le voit, lui. Et effectivement. Oh, bah sinon, on va direct là. Hein. Et avec Arbarz, le PC a une carte graphique toujours un peu défectueuse, mais j'ai réduit les graphismes du jeu. Et donc là, ça va. Hein. Ah, on a le hotspot qui est à 104 degrés quand même. 105. 104. Bon. Espérons que ça continue d'aller. Enfin, c'est beaucoup quand même, mais tant que le PC ne s'éteint pas. Attendez, donnez-moi deux secondes. Alors... Il n'y en a vraiment que deux, dont un seul qui voit les autres. Non, il y a lui, là. Qui va être chiant, non? Peut-être pas. Bon, bah écoutez, si c'est aussi simple que ça... Je vais pas faire de zèle, hein. Ah. Ah. Pas compris. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Et bah... Non. Oui. Non. Oui. On va tester. Ouais. Ah mais attendez, là je pense que je vais pouvoir tester le mind control pour de vrai là. J'y crois. J'y crois à fond. D'accord, donc mon corps disparaît. Bon ça il y avait la même dans DSP3. Je peux distraire l'attention d'un garde. Utiliser le fusil de l'inquisition pour tirer sur les gardes. Distraire la suspicion des autres gardes pendant un certain temps après avoir tiré. D'accord, mais ils peuvent me voir tirer ou... Ah, c'est cool. Ça me fait un kill gratuit en fait. Puisque s'il tue quelqu'un, ça ne donnera pas l'alerte, j'imagine. Un seul moyen de le savoir. Hein. Ah si, ça donne grave l'alerte. Ah, et machin réapparaît. Mais... C'est nul à chier. C'est horrible. D'accord. Ah oui, ça dure 2 secondes en plus. Et bah... Horrible. Horrible mind control. Ça ne sert absolument à rien. Bon. Let's get a better view. Alors, bon, l'appareil, je pense que le mieux, c'est de pas y toucher.
c'est un bait. En fait, elle est au milieu pour qu'on se dise ah là là, comment je la tue en même temps qu'on fasse. Mais en fait, j'ai pas besoin. J'ai besoin de tuer lui, lui et lui en même temps. On va déjà, on va monter. Il y a le perso qui fait les allers-retours dans le. Ah ! Ah, mais ceci dit. On peut faire ça. Oui, au moins ça permet de se. On va dire que c'est un déguisement. C'est un déguisement jetable. Mais même la pièce, c'est pas magique, quoi. Pff, ça dure une seconde. Ah, mais ceci dit. Hey. Ok, c'est pas grave, on va quitter lui. Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est entièrement faisable. Il faut juste le faire rester là. Comme le commissariat s'est pas distrait aussi longtemps, je peux le faire sur les deux sans problème. Et voilà. Voilà, ça nous en laisse que deux, du coup. Lui, easy. Je les avance rapide de temps en temps. Voilà. Et même. Bah ouais, même lui, c'est cadeau. La distraction, ça dure beaucoup plus longtemps, mais ça s'arrête quand tu te barres. Bah. Ouais, là, sur les commissarius, j'ai l'impression que ça dure une seconde. Hein. Alors. On va aller là. Ah, c'est un portail, ok. D'accord. Il faut juste qu'on nettoie de ce côté-là pour se faire les deux appareils en même temps. Lui, il est vu par qui? D'accord, faut tuer les deux en même temps. Ce sera pas très compliqué. C'était les points les plus élevés de toutes les îles. Ah, je savais pas que c'était un achievement. Voilà. Mais ça va pas ou quoi? Oh mais ceci dit, j'ai même pas besoin d'aller de l'autre côté en fait. Je peux le sniper d'ici. Voilà. Bon. Et du coup, on est tranquille pour récupérer la torche. Ah bah merci pour les 10 bits.
Mettez le feu au tonneau. Smelling water. Do they mean the grug? I believe they do. We can't burn the grug. Sacrifices must be made. Ah, c'est là. But the grug. I having is better than wanting. The new chapter. Petite blague sur l'attachement des marins au rhum. C'est la base. Et la canonnière, elle est bretonne dans le lore. Elle s'appelle Gaël, le cornic, je sais pas quoi. Et bah voilà. C'est là. It's on the plank that reaches far above the water. You're such a wet blanket sometimes. Nothing I can't afford. Ça va. How long is it? Oh, finally. Let's get out of here before they turn up into rats. Ok, bah, marrant cette petite mission. No. I was just kidding, of course. See you around. Mais par contre, Pincus là, dans le genre useless, waouh, ça se pose là. Hein. Mais bon, la B-team a quand même réussi. J'ai ramené un développeur de Mimimi avec moi sur le Marley, j'ai eu un achievement. Ah, parce que l'un des cadavres que j'ai mis dans mon canon, c'était un développeur de Mimimi. Waouh, achievement caché. Faut que je surveille l'heure à 14h, faut que je rende l'antenne à Denis. Vous me ferez penser si je dépasse ou si je m'approche. Voilà, tout simplement. Eh, mais quand même 33% sur chaque... c'est incroyable, là, c'est... À 1% près, c'est un tiers pile, quoi. Mais magique. Salut Superfrola. Même Pincus, oui, mais c'était le temps de me rendre compte qu'il servait à rien, sinon je l'aurais beaucoup moins utilisé. Alors... Non, mais c'est sûr que... Après, la sniper, elle est pas mal. C'est un peu situationnel, quoi, mais c'est pas mal. C'est quoi, New Krugbury? Normalement, j'ai les deux îles des DLC aussi qui vont apparaître. Mais c'est pas ça, du coup, a priori, vu que c'est la seule île qui me reste. Oh. C'est pas le DLC, ça? Ok. We arrive at the Isle of Penance. Pretty daring of Mordecai to hide a clue here. What led you to think that he did? Years ago, an old acquaintance of the captain was imprisoned here. Her name was Bonefinger Barb. I see. One of Bone and Finger's corn. Precisely. Though how she is linked to the captain's treasure, I cannot say. Well, let's ask her then. How do we get her soul out of this hellhole? Touch the energy reliquium on top of the soul prison. I will handle the rest. Now, choose our landing, Navigator. Ok, bah faut aller au milieu. On démarre par là. Et cette fois, on ne prend pas les... Alors Pincus, toi tu vas rester dans le navire, mais alors là, jusqu'à la fin des temps, prépare-toi. On va prendre... On va prendre Afia. Teresa, je suis désolé, mais... Sa seule utilité, c'est qu'elle peut tuer de loin, c'est quand même un peu maigre. Donc désolé, mais non. Ce sera Gaël et Sulady, hein. D'ailleurs dans le sens inverse, voilà.
somewhere. Charmant. Bonefinger Bar. Who was she to Mordecai? Faut qu'on aille là. Both she and us were part of the dead man's fleet during the evacuation of Port Royal. She and the captain fought a group of prognostics. Monter par là. I might have helped a little. When the captain lost his hand to a burning blade, it was she who salvaged it in the chaos. We were thick as thieves afterwards. Went on many a voyage once the fleet disbanded. Okay. I'll be there soon. 6 grams of death root, 2 drops of moonshine. Je m'échauffais. I do like this so far. Standing around, catching light. Let the leaves cover all. Let's cover this up. Et bah, c'est parti pour un bon vieux kite des familles. Oh, this is fascinating. Oui. The crackle's drunk. Ah, où? There shouldn't be. Oula. Il a vu les empreintes dans le sable mouillé. J'avais pas anticipé, mais très bien. Et bah voilà. On m'a emmené. Ah, la patrouille. Après, la patrouille, pareil, hein, si on peut la... Voilà. Fait des empreintes. Non, elle voit pas. Ok. Let's get moving. Remedies. Non, ça passe. Il voit juste les empreintes. Petit buisson. Voilà. Il y a un buisson ici aussi. Ok. Très bien. Bon, on avance bien là, pour un début, c'est pas mal. Ah, il faut que j'envoie quelqu'un ici pour déployer l'échelle. Et on va faire ça évidemment avec Souleidi. Bah écoutez, voilà. C'était rondement mené. Et puis on va s'occuper quand même de machin. Pas oublier non plus que Afia, elle peut se téléporter en fait. Même s'il y a personne à tuer, elle peut faire un... Et je pense par contre que j'aimerais bien m'occuper. Ouais, ici il y a un... Juste au début du buisson, il y a un angle mort. Faut pas se louper. On va tenter. Faut qu'ils arrivent à la fin du buisson. Ça passe. Très bien. Elle peut pas remonter par contre. Ah non, si. Très bien. Oh bah ça va vite là. Moi j'aime bien. Toi. Voilà. Blablabla. Blablabla. Commence the rites of inquiry. Measure the body. Set a little step back. Just for you. Part of the design. C'est trop bavard, ouais, je suis d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les barks, à chaque fois que tu touches un personnage, c'est... Mais déjà dans Desperados, c'était insupportable, tu les connaissais par cœur au bout de 2 heures de jeu. Alors, il y a aussi lui. Bon, lui, on pourrait le kiter, mais... Ça va être un peu long, mais... Oh, en même temps... Non, bah c'est parti, hein, kite.
has committed a grievous sin. Hone my senses. Je sais pas si on va réussir à le quitter de si loin. Ouais. On va le quitter avec ça après. Easy fix. Servant of the grand design. I don't look up to anybody. Comment on le fait se balader? Le mec, il était tranquille à son bureau. Qualité jusqu'à la... Voilà. Parce qu'en plus, il avait une torche. C'est des chauffes dures, là. Le hotspot, il chauffe bien, ouais. Je sais pas à quel point le hotspot est représentatif. Hier, des gens disaient non, mais on s'en fout. Du hotspot. Ah, c'est un développeur ça. Matteo, Alejandro, Yamila. Faudrait juste buter le commissarius. Ah mais personne ne le voit en plus lui. Bon bah écoutez. Voilà. Hein. Ça c'est l'insigne quand on tue un développeur de Mimimi. Bah voilà. Je trouve que globalement la difficulté du jeu est quand même assez inférieure à... au mode difficile de Desperado. Là on est en mode difficile dans le dans ce jeu là. On est en mode difficile. C'est pas la fin du jeu, donc c'est normal que tout soit pas infaisable, mais globalement c'est quand même une promenade de santé là. On va aller s'occuper de lui. Est-ce que... Oula. De quoi? Ah bon? Non mais attends. Ah. Je me suis un peu enjaillé. Trop de liberté sur ce genre, c'est un peu une fausse bonne idée d'après moi. En termes d'équilibrage, c'est pas terrible. Tu peux faire des trucs très difficiles, hein. Même avec plusieurs persos, je rappelle... bah, la toute fin de Desperados 3, par exemple, c'est un bon exemple. Tu rajoutes des gardes, ça devient tout de suite très difficile. C'est pas un jeu qui est très compliqué à rendre difficile. C'est pas un genre qui est très compliqué à rendre difficile. Ouais, je sais pas. Non mais effectivement... Est-ce qu'on a besoin de s'occuper d'eux? Je suis pas sûr. Je voulais faire un test. Si je fais ça... Est-ce que... Non, la parier descend pas du tout. Ok. Standing around, catching light. Fresh out of the lab. Coming right up. I don't look up to anybody. Mais... Release the memory. Swiftly. I do resist the noise. Death doesn't mean... Maiden, hone my senses. Little bot. I still need that. No, I still... This will occupy them for a bit. Old prank, it seems. Very well. Oh, I'll have to note that down. Mais de toute façon, lui, personne ne le voit, en fait. Non, mais voilà. Ça marche aussi. Est-ce qu'ils vont venir allumer la torche ou pas? Oui. Ouais, ils vont venir.
so long as we do not. I miss the waves under my feet. Bien sûr. Oh, I see. Kill the body. Breathe the soul. Oh là là, merci Mr. Slurp pour le 43e mois, merci beaucoup également Shurin. Je fais n'importe quoi pendant ce temps. Et merci Just Train pour le 22e mois, merci beaucoup tout le monde. Oui, par contre, c'est vrai que le level design est possiblement moins tight que dans Desperados 3 avec les personnages imposés. Ça c'est clair. Mais c'est pas très grave. C'est juste que là, j'espère que la difficulté va un peu augmenter. Et pour moi, si la difficulté augmente pas, c'est pas la faute de la magie. C'est la faute que les maps sont pas assez difficiles, c'est tout. Mais on verra bien. Il y a un train de hype. Bah chouchou, hein. Oh, presque. Non mais lui on va s'en débarrasser assez facilement. Vous allez voir. Sarbacane pour attirer. Et ensuite, le pétard en haut. Ok. Ready for a challenge. Why should death reduce their sentence, especially in these parts? Big problem? Bigger solution. A blade in the dark. No second thoughts, eh? Ok, faut juste que je mette le pétard un peu plus loin. Ça devrait être gérable. Surtout si on met un buisson là en fait. Voilà. Le buisson en haut de la tour, c'est n'importe quoi. Et voilà. Il n'y a même pas besoin du buisson en fait. Voilà. Oh, merci Moewa d'avoir offert un abo. Oh là là. Merci beaucoup. À moi les replays, exactement. Et remercie Moewa d'avoir offert un deuxième abo. C'est trop gentil. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a les meilleurs modos à plus d'un titre. Mais attendez, j'ai... Ah, oh, j'avais chargé une partie avant de le buter, lui. C'est pas vrai. To be confined, even when the body is long gone. What a dreadful fate. They may blame the curse. I like it already. Death doesn't mean what it used to. Little death bringer. On a des nouvelles de la suite de Commando. Eh bien, pas ma connaissance, malheureusement. Je pense qu'on est prêt pour buter les deux appareillés en même temps. Hein. Normalement, ça devrait pas être très compliqué. Essayer de enlever ça. Voilà. Et donc... Ah bah merci Moewa d'avoir fait un troisième abo, merci beaucoup. Et il y avait le train de la hype. Chouchou, merci tout le monde d'avoir participé au train de la hype.
Merci Fnuf Fnuf pour l'abo, 31e mois, oh là là, merci beaucoup. À quand ta présence à la prochaine émission ? Eh ben, demain, tout simplement. Demain avec Agbou et Louis Ferdinand Sebum, je crois, on fait la première émission de l'année qui est aussi l'émission, la 100e émission de Canard PC. Il y aura un petit truc spécial quand même parce que on n'est pas des bêtes. Tiens, là je peux. Qu'est-ce que je peux faire avec elle ? Mais. Oh ! J'avais évidemment pas sauvegardé. Qu'est-ce qu'elle a comme interaction, elle, ici ? C'est pas possible. Non. Couldn't if I wanted to. Empty. Useless thing. Sure as the storms. Faut qu'elle charge un cadavre. Mais qu'est-ce que ça change ? Ok. Peut-être un moyen de faire disparaître les cadavres, mais en même temps, est-ce que tout le monde peut pas faire ça ? En jetant un cadavre dans le trou ? Ça va pleuvoir. Le voir de l'abo cadeau. Demain. Je vais atteindre les 500 pour la 100e. Ah, ça, ça fait plaisir. Moi. D'ailleurs, moi, je suis pas abonné avec mon compte perso à la chaîne Canard PC. Et du coup, je peux pas regarder mes propres replays. Et je pourrais pas regarder l'émission en replay pour voir. Si, pour lire le chat après. Donc, je suis un peu triste. Commissarius. Oh bah oui. Bah en fait ici il faut faire la même. Hop. C'est un call to action exactement. Je pense que c'est le bon mot. Hop. Appuie la lumière. Sometimes I wonder if it still must burn. Merci Moeva. Merci beaucoup pour l'abo. Grâce à toi, je pourrais regarder l'émission. Et ça, c'est sympa. Hein, quoi ? J'étais visible là ? Tu m'as déconcentré, Moeva, tu vois ? À cause de toi, je meurs. Ah non, ça va. C'est bon, je suis reconcentré. Merci beaucoup. Bah avant, je pouvais m'abonner avec Prime, mais depuis que j'ai plus Prime, compliqué. Et bah... Parti, hein. Ah oui, je voulais essayer de charger un cadavre, là. Et donc, ça fait quoi, là ? J'ai besoin de munitions. Bah. J'ai besoin de munitions. Un abo papier, ça marche. Pour Twitch, malheureusement, pas tellement. Ah, il y avait un passage là, ok. Mais je comprends pas pourquoi. Parce que vous voyez, les autres persos, quand je mets les souris, ils me disent non, non, c'est avec Gaël. Ok. Et Gaël, elle me dit j'ai besoin de munitions. C'est peut-être plus tard. On va voir. Peut-être d'abord faire la mission là. Peut-être plus tard. Marley, you stinking sloop. Hello, Bonefinger. I believe you have something for us.
You leave me for decades in this hellhole, and that's the first thing you say? The captain rarely mentioned you after your betrayal. Oh, he remembered me enough to use me as a piece in his little puzzle, the old bilge rat. But he's gone now, isn't he? He said as much when he snuck in here. What did he tell you? Said this was a precaution. A way to make amends. Said if you showed up, he was already dead. He told me where he hid that rotten old thing for you. Free me, and I'll show you. Very well. Betray us, and I'll put you back. Yes! Free at last! Ah, to feel the sea breeze on my fleeting shape again. So long, you musty old bark. And don't worry. X always marks the spot, eh? Petite référence à Indiana Jones, pour les connaisseurs. Ah, faut que j'aille là-bas, putain. Mais alors... Alors, on va googler, du coup. C'est quoi le nom de cette île ? H-8 avant de Nice, oui. Ah. J'ai trouvé. Alors. Non, en fait non. Pas trouvé. Bah je sais pas. Oh, ses doigts. Merci. Ouais, il disparaît. Ouais, chelou. What would you have done if she'd betrayed us? I'd have unleashed a memory, and she'd be back in her urn. Watch me go! Exactement, Fneufneu, c'est le plan de mettre un... de remettre de la pâte thermique, ouais. Mais tiens d'ailleurs, pourquoi il ne l'affiche plus Ah oui, voilà. Mais rien, mais c'est le plan. Ouais, oui, par contre, moi, ma GPU, c'est une Prowler. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Et du coup, apparemment, c'est un peu plus relou. Mais ça mène où ? J'arrive même pas à voir où c'est. Oh, puis là, les deux mecs qui restent, c'est bon. Hein. C'est HW Monitor qui permet de voir ça, mais... entre autres. Cryo-shit, ça a plus vite à faire, je ne comprends pas, là j'ai pas compris. Sympa la petite barrière de corail. Une feuille de graphène qui remplace la pâte. Ah, le problème c'est de démonter le GPU et c'est pas d'appliquer la pâte, hein. Non mais ton PC dans ton frigo. Ouais, le GPU dans le four, bien sûr. Le classique. So this is the handy last at Port Royal. I still remember the burning city.
Screams of the innocent. Saved as many as we could. Even with my power, it took us countless attempts. The captain had just brought the last of the evacuees on board. I noticed. His hand was severed. I wanted to try again, but he refused. It was the smallest sacrifice. Saving his hand meant more lives lost to the Zealots. You did the right thing. They still sing shanties on Soulspire about you and the fleet. It's all a memory now. What matters is that we have the relic. Return to me, everyone. I like these odds. Well, well. Alors... On fait du bruit en marchant dans l'eau. Bon, on va pas se compliquer la vie, hein. Voilà. Et dès que Magin se rapproche... Salut Denis! On est en train de terminer la mission là. On va pouvoir finir à l'heure. Si Machin se rapproche. Voilà, c'est parti. Et voilà. Et bah... Quel timing incroyable. C'est vélo aujourd'hui, Denis? Ou c'est pas vélo? Moi, je sais jamais, du coup. Ça change, maintenant. Vélo avec Agar. Eh bah, très bien. Eh bah, je vous laisse entre les mains expertes de Denis pour un petit stream vélo avec Agar. Et... moi je vous dis à demain soir 20h sur cette chaîne pour l'émission en plateau, la 100e émission Canard PC. Et oui. Je vous laisse là. Denis, à toi l'antenne. Salut tout le monde et merci encore pour les abos et tout ça. Salut.